Kinshasa, République démocratique du Congo, Stade Vélodrome. Comme chaque année depuis 7 ans, la Fondation Shabani Nonda organise, en ce jeudi 2 septembre 2010, les finales d'un grand tournoi de football qui accueille près de 400 enfants de la mégapole congolaise. Vous savez très bien que lorsque les enfants, pendant les vacances, n'ont pas d'occupation, ils sont voués à des phénomènes que nous connaissons dans notre pays. Mais Shabani épargne les jeunes à arriver à ces dérives. Merci. C'est moi qui vous remercie. Pendant les vacances, en fait, on s'occupe des enfants. On organise des tournois en étant enfant. Ça vous marque les tournois quand nous on jouait, on avait 8 ans, 10 ans. Ça nous a marqué même jusqu'à aujourd'hui, j'en parle toujours. Et pour, c'est pour inciter un peu aux gamins qui ont décroché un peu l'école, de, si on peut susciter aussi la motivation qui revienne aussi et qui continue. De montrer aussi aux enfants qu'ils peuvent combiner les dés, en fait. Les études et puis leur passe-temps, le football. Le but, c'était ça. Si Shabani Nonda et les membres de sa fondation insistent sur le volet social, c'est bien parce qu'ils entendent aider les jeunes à continuer leurs études ou à reprendre le chemin de l'école. Mais ils ne peuvent éviter que la compétition reprenne ses droits et qu'à l'arrivée seule, la victoire compte. Parfois on est honoré par la présence d'un ministre ou de quelqu'un de la fédération. C'est devenu en fait un tournoi de référence. Un joueur congolais qui fait parler de lui dans le bien, c'est Chris Nonda Shabani. Et la finale de sa 8e édition du tournoi Nonda Shabani, c'était la semaine dernière avec la victoire de CIECF, une première participation et un premier sacre, le résumé. Mandigi. Télés et journaux s'emparent donc du tournoi. Les gamins deviennent des stars d'un jour et l'on comprend mieux pourquoi les 24 équipes engagées, portant chacune les couleurs d'un quartier de Kinshasa, se disputent âprement les billets pour la finale. Malgré des conditions de jeu parfois difficiles, les gamins rivalisent d'adresse et les entraîneurs, comme toujours, font monter la pression. Gagner le tournoi Shabani Nonda, c'est devenu une référence à Kinshasa. Chance que nous on a eu, qu'on veut transmettre à d'autres enfants. À la fin, on distribue des cahiers, des uniformes, et puis d'autres choses, des ballons. Imagine my love.
Chaque année, la FIFPro organise un concours dénommé FIFPro Merit. Il concerne les œuvres sociales réalisées par les footballeurs professionnels. Cette palme est revenue à la fondation Shabani Nonda. Je vous dis grand merci pour le travail que vous avez fait. Merci beaucoup.